Un retour après plusieurs mois d'absence. Michel Drucker va retrouver ses fidèles téléspectateurs et son canapé rouge de Vivement Dimanche le 27 août prochain, sur France 3. L'animateur qui aura 81 ans en septembre prochain s'était absenté du petit écran en raison de problèmes de santé, après avoir notamment subi une seconde opération au niveau du cœur. Après cette dernière, Michel Drucker est passé par une longue phase de convalescence, où il a dû réapprendre des petits gestes du quotidien, dans un physique qui avait bien changé. Dans une interview accordée à Télévision Magazine, il a raconté avoir perdu tous ses muscles après son opération. Michel Drucker a également vu des craintes l'envahir, comme celle de se regarder dans une glace de peur de découvrir le visage d'un fantôme. Quand il a trouvé le courage de le faire, l'animateur de télévision a pris un coup terrible. Je ne me suis pas reconnu. J'étais un vieillard. J'ai alors vraiment pensé ne jamais refaire surface, a-t-il confié à nos confrères. Michel Drucker, Céline Dion, Brigitte Macron, Michel Simès. Ces personnalités ont été victimes d'une arnaque. Michel Drucker se repose dans le sud de la France dans Le Parisien. Michel Drucker avait confié avoir été une ombre, un fantôme dans les semaines qui ont suivi son opération au cœur de mars dernier. Il avait alors annoncé avoir perdu une dizaine de kilos. Depuis, il tente de remonter la pente, soutenu par sa famille et amis, ainsi que par le corps médical. Le présentateur de Vivement Dimanche a notamment suivi un régime strict établi par une diététicienne. Les protéines m'ont permis de reprendre les kilos que j'avais perdus, de retrouver mes muscles, plus rapidement que je l'imaginais. Si est-il fou comme le corps a de la mémoire, a-t-il déclaré dans les colonnes de Télévision Magazine. Désormais, Michel Drucker s'évertue à faire de la marche et des exercices de rééducation quotidiennement, loin des plateaux de télévision, puisqu'il se trouve actuellement dans sa maison située en Provence, à Aigalière. Crédit photo, Coadic Guirec.